Nous avons vu que dans la Sugya, le sujet délicat et passionnant des Nissiyonot, il faut parler de la Emouna. La Emouna pour rester fort face aux épreuves, la Emouna pour renforcer les autres et les ramener. Combien même l'homme se trouve dans une situation d'épreuve, par sa Emouna, il peut ramener les autres dans le droit chemin, dans le chemin de la Torah, dans le chemin de la Teshuvah. Pour cela, Rav Olmé nous a dit qu'il faut faire un travail sur la Emouna. Le travail de la Emouna, c'est-à-dire que la Torah, l'étude, la pratique et la Tfila doivent être réalisées sous forme de Emouna. Pour ce travail, Rav Olmé, il a ici donc des exercices intéressants de réflexion profonde sur la Tfila. C'est-à-dire que de chaque bracha, de chaque passage de la prière, je dois en tirer une leçon différente de la Emouna, puisque la prière est composée de multiples bénédictions, de multiples passages, les Tehillim, les bénédictions du Shema, le Shema lui-même, la Amida. Chaque passage de la Tfila est une autre leçon de Emouna, est un autre renforcement dans la Emouna. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente comment Rav Olmé explique la bracha de Asher Yatzar. La deuxième bénédiction du matin traite de la Neshama. C'est intéressant que la première bracha soit le corps et la deuxième soit la Neshama. C'est un sujet en soi que je me retiens ici d'en parler. Dans cette bénédiction, nous disons Elokai, mon Dieu, Neshama, Shela Tatami, Teorai. L'âme que tu as insufflée en moi, que tu m'as donnée, est pure. En cette bénédiction, nous dit Rav Olmé, l'homme exprime sa reconnaissance que la base de son être est pure. Neshama Teora. Par la suite de la bénédiction, nous disons Ve'ata atid li tela mimeni, dans le futur, Akhshbokhu va reprendre ma Neshama, ou Le'ahazira bi le'atid lavo, et il me rendra cette Neshama. Donc, c'est-à-dire que nous parlons dans la bracha du matin de la Neshama, nous parlons de l'aller-retour, entre guillemets, oui, qu'Hachem nous donne la Neshama, il nous la reprend et il nous la remet. C'est ce qu'on appelle le principe de triatabétim. Donc, dans cette bénédiction, nous avons premièrement l'expression, la reconnaissance que la base de notre être est pure, c'est la Neshama Teora, et que cette Neshama, elle voyage avec nous dans le temps, et elle nous fait voyager avec nous jusqu'à et au-delà de la triatabétim. Donc, c'est le point de départ de la Neshama et le point d'arrivée, depuis la naissance et au-delà de la mort, avec la résurrection des morts, c'est la bracha de Elokai Neshama. À partir du moment, dit Rav Olmé, où l'homme ressent et reconnaît qu'il a une Neshama, alors, aux suites de la bénédiction, nous disons Bodé Ani Lefanecha, je reconnais Hachem devant toi, etc. Mahazir Neshama Ot Livgarim Betim, que tu rends la Neshama, tu restitues la Neshama à des corps morts. L'homme, lorsqu'il se réveille le matin, chaque réveil du matin, c'est un semblable à la Triata Betim. Combien de foi, de Emouna est contenu dans cette bracha, s'exclame Rav Olmé. Kama Emouna Tmouna Bebrachazo. Tout ça, la base de l'homme, la reconnaissance, la base qui fait de moi ce que je suis et ce qui me permet d'être et de devenir, c'est la Neshama Teora, donc le Yesod de l'homme, la base de l'homme est pure. La triatamétime de l'Eratid Lavo du futur et la triatamétime matinale quotidien de tous les jours. N'y a-t-il pas ici des notions fortes et importantes de Emouna? Cette bénédiction renferme des concepts importants de la Emouna. C'est ainsi, dans cet exercice du Rav, nous verrons par la suite, il va le faire jusqu'à la fin de la Tfila, dans cet exercice de la Tfila, il faut tirer de chaque passage de la Tfila une étape, un niveau supplémentaire dans la Emouna. C'est comme ça que l'homme il va être fort dans sa vie et aucune épreuve ne l'écroulera. Et plus encore, je reviens sur cette phrase qui est fabuleuse de Rav Olmé, que lorsqu'on est fort dans la Emouna, non seulement on ne s'écroule pas, mais on arrive même à relever les autres au point de les conduire dans le chemin de la Teshuvah. Yehi Ratzon, quand on y arrive, c'est tellement magnifique.